J'ai décidé de, de sortir du confort euh, d'un d'une vie qui réussissait bien, qui marchait bien, euh, qui était même une carrière extrêmement euh, visible. J'ai décidé de sortir ça et de, de hacker ma vie pour euh, aller euh, vraiment à ce qui est plus important et plus essentiel je dirais dans ce qui fait sens. Et ça c'était à 36 ans. Je me suis hackée. Voilà, je me suis hackée. Je crois que c'est ça mon initiative positive. C'est-à-dire que si tu prends ma trajectoire depuis l'âge de 51 balais, même si ça se voit pas, euh, j'ai commencé l'école des mines, j'ai fini à 19 ans, tu vois, et j'ai dit, oui, je suis étonnée, j'ai attiré directement dans un très gros cabinet de conseil, McKinsey. Qui est une, la plus grosse. Hein. Voilà. Ils m'ont recruté alors, euh, directement, ils m'ont envoyé à l'Inciane, ils me l'ont payé. J'étais un fellow, il n'y avait que deux ou trois par an. Et ensuite de ça, donc, je suis rentrée euh, chez eux directement consultante. Et à 30 ans, j'étais la première femme partenaire. Et c'était l'époque où l'économie faisait un grand boom. C'était l'époque des grands deals. On brassait des milliards de dollars dans une nuit euh, sur un une OPA, tu vois. Et puis ensuite, il y a eu euh, le boom Internet. Donc moi, j'étais dans tous ces trucs là. Et quand j'ai été élue partenaire à 30 ans, j'étais la première femme, donc la plus jeune aussi. Donc c'était euh, pour eux, ils m'avaient appelée la formule 1 sans conducteur parce que j'allais très vite. Mais on ne savait pas forcément ce que je voulais faire. Donc je prenais tout ce qui était innovant. Donc dès que j'ai été élu je suis partie ouvrir les bureaux d'Asie du Sud-Est et la Chine. J'avais juste une chambre dans un grand hôtel de luxe, une secrétaire et une photocopieuse. Quoi. Et en fait, tout ça, c'est une histoire un peu dingue. Et quand l'Asie la, s'est effondrée pour des raisons économiques, je me suis retrouvée directement dans la rue avec les ONG et en même temps je conseillais le FMI, le Premier ministre pour euh, réparer la crise, quoi. Et donc j'ai découvert à ce moment-là le monde des ONG, toutes ces choses. Et là j'ai commencé déjà mon hacking. C'est-à-dire que je me suis plus intéressée à la cause sociale à ce moment-là dans, dans, dans ce que je voyais dans la rue, quoi. Alors que de l'autre côté on me demandait de serrer les, les cordons de la bourse. Donc après pour faire court je suis revenue en Europe. Et à ce moment-là, ma mère est tombée très malade. C'est ce que je raconte dans un, dans un TED Talk. Et j'ai décidé de basculer complètement de vie. À ce moment-là, j'avais euh, 36 ans. Et euh, j'ai tout quitté. À ce moment-là, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Euh, je dormais chez moi. J'avais calculé une fois par mois. Je faisais le deux fois autour de la Terre en un mois, en, en kilomètres cumulés. Et c'était juste euh, impossible, quoi. Donc j'ai arrêté. Donc, euh, comme je raconte pour rigoler, j'ai donné ma Porsche, enfin, euh, je l'ai vendue euh, pour rien du tout à un ami. Et puis, j'ai lâché mes costumes à Mani. Et je suis devenue donc ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire euh, quelqu'un de libre. Donc, j'ai d'abord essayé de comprendre les ONG, voir comment mes compétences pouvaient être utiles. Et euh, en faisant ça, j'ai atterri d'abord dans les directions générales des grandes ONG, puisque, vu que j'étais gratuite, euh, les VVF et autres étaient trop contents de m'avoir euh, à leur côté, tu vois. Donc, j'en ai fait un certain nombre, donc le, le Panda, euh, quelques autres euh, humanitaires, euh, des grandes fondations. Et au bout de six mois de ça, je me suis dit, on ne va pas y arriver, c'est trop lent, c'est trop old tech, c'est trop old school. Et là, je me suis intéressée aux hackers, c'est les gens qui à l'époque faisaient euh, Linux, on va dire. Et ils commençaient tout juste à faire des, des wikis, tu vois, les, le début du web collaboratif. Et il se trouve que j'ai croisé les, les fondateurs de ces mouvements, qui sont devenus mes potes, et c'est ça vraiment ma racine. Ils m'ont appris l'éthique du libre, l'éthique des hackers, comment fonctionne vraiment l'open source et cet esprit du, de, de Socrate, en fait. D'ouvrir les boîtes noires pour les donner à tout le monde. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai accompagné les wikis qui ont donné plus tard Wikipédia. C'était en 2002. Hein. Et après, je me suis dit cette logique, faut l'appliquer à tout. Et donc, euh, plutôt que de faire de l'ONG classique, je me suis dit on va faire des éco-quartiers, mais on va les ouvrir comme Wikipédia, etc., etc. Après, il y a eu les Fab Labs, les makers, il y a eu Wisher, Ticket for Change, une quarantaine d'initiatives qui étaient toutes dans le partage des idées. Et ça, c'était mon coup de hacking. J'ouvrais tout ce que je rencontrais. Donc, euh, en gros, l'idée, c'est euh, salut, je m'appelle Tan, je suis sympa, je vais vous faire la stratégie, trouver des sous gratuitement. La seule chose que je vous demande en retour, c'est que vous me donnez toutes les, toutes les choses que je fais et je les diffuse librement. C'est pour ça que c'est devenu le, la pollinisation des idées. C'est comme les abeilles qui butinent. Euh, et qui pollinisent partout. Donc ça, j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années, de 2002 jusqu'à 2012-2014. Et là, à partir de 2014, on va dire, il y a eu ce changement d'échelle pour moi, avec ce que vous connaissez bien, qui est la caméra. C'est-à-dire j'ai fait mes premiers TED Talks en 2012, j'en suis à mon cinquième, et à un certain moment, mon action a changé d'ampleur, parce que je me suis rendu compte que euh, pour avoir un impact, il faut toucher les gens là où ils sont. Donc les médias, c'est très important, de communiquer des choses simples, compréhensibles. Avant, c'était plutôt j'étais avec les 5% de gens très engagés que tu connais, les Pierre Rabhi, les Nicolas Hélot, et etc. Mais euh, voilà, c'était ma manière d'apprendre et d'ouvrir tout ça. Et maintenant, euh, je travaille plus sur l'aspect comment toucher les gens et les autres là où ils sont. Et ça, c'est mon troisième coup maintenant, le crapaud fou, dont je vais vous parler. Et ça, c'est une initiative qui est encore plus dingue, puisque c'est un truc euh, avec un matheux, un mec qui fait des bouquins, et puis moi, et on se dit on va changer le monde. Donc l'équation, elle est quand même assez originale. Voilà. J'ai la chance d'avoir maintenant un bon niveau de vie, tu vois, j'ai ce qu'il faut, j'ai pas besoin de bosser pour gagner ma vie. J'arrive très bien à vivre avec ce que j'ai pu récolter. Et j'estime que c'est normal de, de renvoyer. Je suis plus heureuse à partager, et transmettre, notamment avec des plus jeunes. Mais également, euh, comme je vieillis aussi, hein, c'est quand tu es un c'est pas comme quand tu as 25 ans. Euh, je vois bien qu'il y a des trucs que je peux plus faire comme avant. Donc il euh, faut que je fasse gaffe aussi à certains choix de, de temps, de priorité. Donc, moi, c'est clair que rester dans, dans mon petit euh, confort intérieur. Euh, euh, juste euh, glandouiller tout ça je, je peux pas je pensais que c'était la question du sens parce que déjà à la fin euh, de ma carrière de business j'avais commencé à travailler sur des projets pilotes avec les bidonvilles dans les pays pauvres et tout chez Suez c'était un de truc on apportait de l'eau dans les quartiers pauvres hein, et on le faisait dans un modèle très empowerment avec une montée de capacité des gens, et j'avais adoré ce projet. Et quand euh, Suez a voulu changer de direction, ils m'ont dit euh, on arrête ça. J'ai dit bon bah non, dans ce cas-là, moi je continue toute seule sans vous. Et je suis partie. Et donc j'avais déjà envie de faire des trucs. Euh, j'ai toujours cette fierté de faire des trucs euh, bien pour les gens, tu vois. J'aime bien. Et, et du coup, euh, quand j'ai monté mon ONG, je me suis dit euh, voilà, il faut que j'arrive à. À appliquer toutes ces, tous ces savoirs que j'ai dans mes mains, il faut que j'arrive à les mettre au service de ces ONG. Donc, au début, je me suis dit, je vais DGA des grosses ONG gratuitement, puis on verra. Et c'est là que le truc qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que ce qu'ils faisaient n'était pas tellement mieux. Il y avait vachement de eux contre nous, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que quand les hackers sont arrivés dans mon affaire, c'est ça qui m'a le plus séduite. Je crois que c'est dans mon ADN, hein, j'ai toujours été sensible à cette question de l'inégalité et de la transmission, tu vois. Euh, je crois que les Vénamiens sont sous. Très souvent des idéalistes. C'est lié à notre culture, tu vois, c'est un peuple de, de combattants. Je réalise que sans m'en rendre compte, j'étais une sorte de Formule 1, effectivement, qui arrangeait qui a bien mes patrons, parce que j'abattais beaucoup de boulot, sans rien demander, tu vois. Mais pour moi, c'était pas satisfaisant. Donc je brûlais ma vie par les deux bouts, j'avais pas d'existence, euh, ma vie était un espèce de brouillon euh, complètement brownien, c'était même pas de l'abeille, c'était du papillonnage. Tu vois, et donc je pense qu'au fond de moi il y avait une, une soif qui n'était pas remplie, une soif d'être peut-être. Donc tout ça fait que j'étais pas bien. Et à force quand même, mes copains me disent que j'ai une capacité, c'est que je, quand je crois à un truc je fonce, je me paye le mur, je recommence Donc en fait je passe mon temps à foncer, à me payer le mur et à recommencer. Si tu veux. Ma vie c'est plutôt ça, c'est j'avance, boum, je repars, et puis tout le temps comme ça. Et du coup, ce hacking je pense que c'était pas, euh, euh, c'était pas une évidence. Je, je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai fait parce que j'étais obligée. Bah, la plus grande difficulté, c'est que les gens se disent tous que c'est trop compliqué, c'est trop gros. Donc ils vont dire que c'est la faute des politiques. Après, c'est les grandes entreprises, le consumérisme, euh, les grandes entreprises, le capital, les banques, c'est la faute des banques, euh, etc. Et puis en fait, tu leur dis mais les banques, c'est quoi C'est une convention. C'est des gens qui sont là-dedans. Une banque, c'est pas un truc que tu peux toucher comme euh, je touche ma chaise là. Une banque, c'est un concept. d'accord Et puis il y a des gens qui sont dans la banque. Donc tu peux toucher les gens là où ils sont. Donc il faut prendre les gens là où ils sont. Patron d'entreprise, employé, chômeur, prendre les gens tels qu'ils sont et parler à la personne. Et arrêter de raisonner sur des conventions qui font qu'on n'avance pas. Parce que c'est pareil, l'argent, l'église, même le président de la République, tout ça c'est des conventions. Tu vois donc si, si on change de regard, on se dit « Ah ouais, en fait euh, tout ça c'est des, des choses que je prends comme acquises, mais je peux bouger certaines choses là-dessus, donc c'est un regard. » Et donc pour moi le plus grand obstacle c'est que les gens se disent « Je peux rien faire, c'est trop gros pour moi. » généralement les gens se rendent pas compte qu'ils se hackent sauf des gens qui ont déjà une certaine euh, euh, culture et un certain travail sur euh, sur eux-mêmes. Je dirais plutôt que en général les gens viennent avec une question qui est il y a quelque chose soit c'est j'ai une angoisse, quelque chose qui va pas, je sens que ce monde n'est pas bien, je suis révolté mais je ne sais pas quoi faire. Donc ça c'est plutôt le sentiment de David contre Goliath. Beaucoup de gens depuis le, le crapaud fou, me posent cette question, comment est-ce que je peux faire face à l'énorme machine D'autres c'est beaucoup plus simple, c'est euh, je souffre euh, j'ai lu dans votre bouquin que vous travaillez avec des autistes, des asperger, euh, des surdoués, euh, des hyperactifs, euh, des gens qu'on prend pour des débiles mentaux, des autistes qui sont considérés comme des handicapés euh, totalement inutilisables. Et vous prouvez qu'on en fait euh, des artistes et même des start upers Bon, vous faites ça comment Et après, quand tu pousses, la personne te dit j'ai une souffrance, en fait, euh, je dors pas, ou euh, j'ai été diagnostiqué Asperger, ou je, à 19 ans, je viens de passer deux mois en Inde, je cherche quelque chose. Donc, on sent que cette personne elle a une quête en elle une souffrance, ou quelque chose qu'elle, une pépite, qu'elle n'arrive pas encore à nommer. Donc ça, c'est, on va dire du hacking aussi. Donc, dans ces deux cas de figure, si tu veux, moi, j'arrive à leur proposer des choses, on discute. Après, j'essaie de trouver comment les aider, peut-être, à trouver des, des, débuts de, de réponses. Je leur dis pas, surtout pas ce qu'il faut faire. Je leur dis peut-être que tu pourrais regarder ça, ou ça, ou ça. Maintenant, je connais votre site, je leur dirais allez voir telle vidéo, peut-être. Tu vois. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les gens se mettent en mouvement. J'ai pas dit en marche, hein. <laughs> en mouvement. Et que du coup, euh, ils se disent, euh, voilà, dans, dans tous ces exemples dont elle m'a parlé, ce truc-là me parle. Donc du coup, ils appellent la personne. Et puis du coup, la personne lui dit, bah, tiens, moi, viens avec moi. Donc du coup, c'est vraiment de mettre les gens en, en mouvement, en, en cohorte, j'appelle ça, progressivement, avec d'autres personnes du même genre, pour pas être tout seul. Parce que cette transformation, elle est toujours compliquée et assez lente. C'est Ça prend du temps, c'est long. Et on ne se change pas comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est toujours cette idée de travail intérieur-extérieur. Il ne faut pas trop partir directement à l'extérieur sans ressources, sans munitions. Donc, déjà, il faut être attentif à ses propres besoins à soi et faire toujours autant de dedans que de l'extérieur. Tu vois, trouver une bonne balance entre les deux. La deuxième, c'est de pas le faire seul. C'est-à-dire qu'il faut se renseigner, trouver des gens, euh, se connecter, par exemple avec les crapauds ensuite trouver des, des gens qui vont de manière bienveillante te mettre sur un chemin où tu as une chance de, de tenir dans la durée. Parce que le problème, c'est que l'indignation, en premier temps, ça donne indigné, OK, puis après, plus rien. Donc le risque, c'est que les gens s'épuisent en route. Et euh, je pense que si on a une vraie indignation personnelle qui vient de ne pas supporter la justice ou la violence et tout comme ça, euh, il faut du temps avant d'arriver à, à déboucher sur une action qui, qui a de l'impact. Donc pour ça, il faut s'équiper, il faut pas être seul, il faut se connaître, je dirais. Et puis, euh, mon conseil, c'est vraiment ça, c'est de se connecter avec des gens. Bon, ben là, c'est les crapauds, pour l'instant, qui, qui m'occupent. Mais il y a plein de gens autour de nous, il y a des associations. On peut aussi se documenter, on peut lire, aller voir sur Internet. Je crois que c'est très important de, aussi de faire du offline et du online. Internet, c'est une chose, mais il faut aussi rencontrer des vrais gens physiquement. C'est ça qui fait aussi une différence. On ne peut pas juste rester sur euh, le virtuel pour euh, changer le monde depuis son canapé. Et je crois que c'est important, de, à un certain moment, de prendre sa valise et de voyager en Europe, euh, tu vois, donc euh, voilà. puis, vraiment, s'il y a un seul message, c'est qu'on ne peut pas changer le monde sans d'abord changer son regard sur soi, je pense.